Salut à tous les amis. Aujourd'hui on va se retrouver évidemment pour la suite de notre aventure. Accrochez-vous bien sur Assassin's Creed Odyssey. Les rameurs ont besoin de récupérer. Alors on s'était arrêté ici l'autre fois, juste après qu'on ait fui Athènes tout simplement. Hein. Vous vous rappelez que Foulibé et évidemment Périclès sont morts. Et on devait rejoindre l'île de Naxos pour retrouver notre chère Myrine, hein, qui est notre mère, hein, tout simplement. C'est parti. Alors, il y a pas mal de trajets là, mais bon, c'est pas grave. On profite encore de la mer et des bateaux et de cette lune, enfin de ce soleil qui se couche plutôt. De toute façon, les trois quarts du jeu, ça va sur le trois quarts du jeu, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de voyages en mer, donc ça fait partie du gameplay, hein, tout simplement. Il n'y a pas le choix. Hein. Ouais, mais moi je vais pas les attaquer, eux ils veulent m'attaquer, mais c'est sans moi. Ils sont d'un niveau inférieur à moi. Mais on va se barrer le plus loin possible. De toute façon, c'est tout droit là. C'est pas la première île qui est là, c'est pas la deuxième, c'est celle qui est tout au fond là, la troisième. De retour en autre. En allant en vitesse croisée, on va beaucoup plus vite. Hein. Des choses à récupérer, ouais. Ah bah, de toute façon on n'a pas le choix, il faudrait bien qu'on reste ici. Hein. Réparer les rames. Ouais, il faudrait trouver un moyen d'amarrer maintenant. Voilà, tout de suite, c'est en face, pile poil. Allez, go. Préparez les amarres. Et voilà. Vigne de Dionysos, ok. Faudra monter à mon avis dans la baraque qui est là-haut. Par ici, c'est par là-haut. Pardon. Pardon. Ok. C'est une blague? Je ne me laisserai pas intimider. Qu'on remplisse les casernes et qu'on double les patrouilles. Si c'est Paros qui les envoie, je veux être averti de leur débarquement. Oui, Arconte. Arconte, je t'en prie. Merci. Les marchands. Je comprends vos préoccupations. Mais le principal est de protéger la ville et les carrières.
Disposé. Ça fait bizarre, hein? Il voit sa mère là. Pour la première fois depuis qu'il est gamin. La réunion est terminée. Elle a compris. Alexios. Elle a compris direct. Comment? Chaque fois que je ferme les yeux, je te revois tomber. Je croyais t'avoir perdu. Cassandra est vivante. Mais c'est devenu un monstre. Ils la tiennent, n'est-ce pas? Ouais. J'ai rebâti ma vie à partir de rien. Te rends-tu compte? Et aujourd'hui, tu me dis que tu es vivant. Que vous êtes vivant. C'est toi. Bah oui, c'est moi. Ce n'est pas un mauvais tour joué par les dieux. Je t'ai retrouvé. Ta sœur, nous devons la ramener. Elle est déjà trop loin. Je me suis résigné une fois, mais plus jamais. Qu'est-ce que comment tu... as-tu... J'ai beaucoup de questions. Moi aussi, je crois. Mais vas-y, je tâcherai de te répondre. Je veux savoir qui est mon vrai père. Comment l'as-tu appris? On me l'a dit. Nikolaos, tu l'as vu? Bah oui. En Mégaris, oui. Nikolaos était ton père. C'est lui qui t'a élevé. Jusqu'à ce que son devoir de spartiate l'emporte. Il a parlé de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? J'ai toujours espéré que tu ne découvrirais pas la vérité. Mais il y a des choses que tu dois savoir si nous voulons en finir avec le culte. C'est-à-dire? Il m'a cherché avant de rencontrer ton... Enfin, Nikolaos. Je suis sans nouvelles de lui depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Des soldats de Paros viennent de débarquer dans la crique. Mais merde. Un petit détachement, une douzaine peut-être. Malaka. Timo, rassemble les hommes. Tes questions vont devoir attendre, mon enfant. Je peux vous aider. Tu sais donc te servir de ces armes. Mais oui. La dernière fois que tu m'as vu. Parfait, viens. Allez, on va être notre mère maintenant. Qui nous attaque? Paros, de l'autre côté de la baie. Apparemment, Sylanos en a assez de partager le marché du marbre. Pourquoi maintenant? Ah, mais c'est une dirigeante, elle aussi. Nous a toujours causé des ennuis. Je m'attendais à une attaque, mais pas aussi tôt. J'imagine qu'il n'y a plus question de discuter. Les alliés oublient souvent leurs promesses quand une occasion se présente. Ah, il y a un forgeron ici, comme ça on sait où il est. Pourquoi coopères-tu avec Sparte, malgré ce lourd passé? Paros a conclu une alliance avec les Athéniens. Ça ne m'a guère laissé le choix. Il te fallait un appui. Ce qui n'était qu'une rivalité s'est transformé en guerre. Son alliance avec Athènes a fait des Naxos un agneau bon pour le sacrifice. Tu vas finir par tuer quelqu'un? C'est où? C'est où, c'est eux, là? Ok, il y en a 1, 2, 3, 4,
5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, parce qu'il y en a que 7, c'est pas compliqué. Normalement. Je vais pas. Je vais voir si on peut sauter. Ouh! On va attaquer celui-ci là. Oh putain, je l'ai même pas vu celui-là, attendez. Il y en a un autre là. Ah non, c'est bon. Bon, allez. Ah, ma mère, enfoiré. Mais c'est bon. Allez, mange. C'est bon, on est aidé, c'est parfait. Mais si. Nickel. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est fait. Toi aussi. C'est fait. Qu'est-ce que tu touches ma mère, toi? What? Mange. Lui, l'autre. Il y en a un là. Oui. Celui-là. Inutile. Maintenant. Et avant. Ok. Elle est où? Elle est là. Ces îles ont toujours été rivales. Après tout, Naxos a contrôlé Paros et Andros autrefois. Et ils nous envient, nos artisans. Et maintenant? Ils pensent mériter de s'éteindre. Leur oligarque exige qu'ils déploient leurs aides. Mais nous les couperons avant que ça n'arrive. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Tu me rappelles Nikolaos. Tu te bats comme lui, impitoyable et rusé. Il serait fier de toi. Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez appris, lui et toi. J'ai reçu une bonne éducation. J'ai cherché à te rendre invincible. Et tu l'es. Je ne comprends pas pourquoi le culte s'attaque à notre famille. Les raisons ne manquent pas, mon enfant. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? Nous voilà réunis, la question est plutôt, qu'est-ce qu'on peut leur faire à eux? Ils ont peur de nous. Cela fait des générations que notre lignée est une épine dans leur flanc. À leurs yeux, le succès de leur projet exige notre élimination. S'ils ont peur de notre famille, donnons-leur raison. Et unissons-nous. Beaucoup ont tenté sans succès de les éliminer. Mais nous sommes différents. Là où ils ont échoué, nous réussirons. Ben c'est vrai. Je sais que tu as fui Sparte, mais comment es-tu arrivé sur cette île? Je ne pouvais plus rester auprès de Nikolaos. Pas après ce qu'il avait fait. Je devais quitter Sparte. Pour venir ici? J'ai vu une occasion d'aider, de bâtir quelque chose. J'ai été élu pour diriger et protéger cette île de ceux qui veulent détruire ce que nous avons construit. Tu as réalisé des choses incroyables. Naxos a de la chance de t'avoir à sa tête.
Il a fallu surmonter des obstacles. Mais je suis fier de ce que nous avons fait. Dommage que tous les dirigeants ne te ressemblent pas. Ah, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé en Argolis après cette nuit-là? J'ai retrouvé ta sœur et je l'ai amenée à un jeune apprenti médecin, Hippocrate. Je croyais t'avoir perdu. Je n'étais pas prête à vous perdre tous les deux. Je lui ai parlé il y a peu. Cette nuit le hante toujours. J'ai eu le cœur brisé quand les guérisseurs d'Asclepios m'ont dit que Cassandra était morte. Vous deux, vous étiez toute ma vie. Mais ils t'ont menti. Elle a survécu. Ils ont dû comprendre qu'elle n'était pas comme les autres et l'a confiée au culte. Nous la reprendrons au culte, mère. Nous la ramènerons. Le culte est perfide. Une fois qu'il a planté ses griffes, il ne lâche plus sa proie. Je crains qu'on ne puisse pas la sauver. Je t'ai bien retrouvé, non? Je sais qu'ensemble, on peut la sauver. Continuons cette discussion ailleurs. Loin de l'odeur de la mort. Viens avec moi. Cette île est magnifique. C'est vrai, Sparte n'est rien comparé aux plages de Naxos. Sparte. La seule chose dont je me souviens, c'est le pied du mont Taygetos. Tu étais encore petit quand je t'ai présenté à la Pitié. Elle n'a pas prédit cette vie de cauchemar. Elle a dit que tu en étais à l'entrée. La Pitié ne peut pas tout prédire. Mon général a donné l'alerte. Sans tarder. Timo sait que Paros est une menace. Ils ne cachent pas leur jeu. Difficile d'être plus clair qu'en envoyant des soldats. Il n'existe pas de traité? S'il y en a eu un, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, les habitants de cette île sont devenus nos ennemis. Des ennemis que je pourrais t'aider à vaincre. Nous en reparlerons plus tard. Mais je crois que je... On va où, là? Le temple prend forme, Evandros. Certes, mais il restera en ruine si l'on n'obtient pas d'autres dons. Tout ne peut pas aller toujours aux soldats. Il le faut pourtant, si l'on ne veut pas que le temple soit détruit par l'ennemi. Mais je verrai ce que je peux faire. C'est une bonne chose de relancer la construction. Ligdamis fut un grand homme. Il mérite qu'on cultive son souvenir. Son combat contre la corruption et l'oligarchie est une leçon à garder en mémoire. J'ai l'intention d'achever ce temps. Merci, Phoenix. Ok. Ça a été une journée peu banale. Mais une bonne journée. J'en ai connu de pire, oui. Moi aussi. Tu es devenu un homme remarquable. Mais je sens le poids du fardeau que tu portes. Il s'est allégé depuis que je t'ai trouvé. J'en suis heureuse. Mais je me demande pourquoi les dieux ont choisi de nous réunir. Ils doivent penser que le temps est venu que notre famille se reforme. Si nous voulons que ce soit le cas... Nous devons retrouver Cassandra et l'arracher à l'emprise du culte. Ça c'est sûr. C'est au culte que nous devons toutes nos souffrances. Et d'autres subiront le même sort, si nous n'agissons pas. J'ai laissé cette vie derrière moi quand j'ai quitté Sparte. Aujourd'hui, mon souci, c'est Naxos. Alors laisse-moi t'aider. Quand Naxos sera hors de danger, nous traquerons le culte ensemble. Mérine, le banquet est sur le point de commencer. Par les dieux,
Désolé, mon enfant, j'avais oublié. Prépare les chevaux, je ne vais pas tarder. Le banquet ? Je dois montrer au peuple que celle qui le dirige est forte et à son poste. Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière le masque. Je t'aiderai à combattre, mais avant de quitter Naxos, je dois m'assurer que l'île ne craint rien en mon absence. De quelle manière ? Il faut s'occuper de Paros. Nous devons affaiblir sa position. Sa vulnérabilité la poussera à l'imprudence, et c'est là que nous frapperons. Comment comptes-tu faire ? Nous devons amener la flotte de Paros à nous attaquer et la détruire. Mais je n'ai plus d'amiral. Enéas s'est rendu à Paros pour des pourparlers de paix. Et il n'est jamais revenu. Ne t'en fais pas. Je vais le retrouver. Si tu as besoin de moi, je serai au banquet. Mais essaie de paraître moins martial si tu viens me rendre visite. Ok. Très bien. Ok, plusieurs quêtes acceptées, d'accord. J'attends d'avoir les autres quêtes qui peuvent s'afficher. Ah, il y a une quête juste au-dessus, je crois qu'elle est en haut. Ah, c'est là-bas. Alors, l'aptitude, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tac. Alors. Approvisionner des loups assommés, un seul animal peut-être. Non, on s'en fout. Augmenter de 20% les dégâts de chasseur, ça peut être intéressant. Ah, ça c'est pas mal. Un souffle soudain étourdit les adversaires jusqu'à 3 mètres et inflige 100% de dégâts, d'accord. Prendre soin de. Ouais. On va prendre celle-ci. Par contre, il y a des petits trucs que j'ai envie de retirer. Non, c'est pas ça. Non, merde, je me suis gouré. C'est pas celui-ci que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Ah bon, c'est bon, j'ai repris, hein, j'ai peur. Ok, c'est ça que je voulais vérifier. Désolé. Comment on fait pour retirer ça en fait? C'est ça que j'ai oublié. Je l'avais fait la dernière fois, mais. C'est pas sauvegarde que je voulais faire. Ah oui, c'est, il faut que j'aille d'ici, c'est ça. Voilà, c'est celui-là qu'il faut que je retire. Non, pas celui-là. Non. Oh. J'ai complètement oublié comment on fait. Ouais. Voilà, c'est celui-là qu'il faut que je retire. J'ai pas envie de le garder parce que je l'utilise pas. Donc on va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, celle-ci. On peut mettre celle-là, non? Attendez. On peut pas le mettre? Retirer. Attendez. Désolé, hein, je prends mon temps. Ouais, on va mettre celui-là. Ah non, c'est pas ça, pardon. Non, annulé. Euh.
On va foutre ça là. Allez hop. Voilà, c'est bon. Désolé, hein, ça a pris un peu de temps. Alors, la quête suivante. Ah, il y en a plusieurs. Hein. Niveau 23. 23. De toute façon, c'est que de l'Odyssée, donc c'est bon. 24. Parler à Myrina de l'association. Réduire les moyens de Paros. Donc, on va essayer d'abord. Détruire directement, tuer des soldats ténia. Ouais, allez, on va faire ça. Et c'est où ça? C'est où cette quête? Ah! Nous, on est ici. Ah, mais Paros, ça doit être. Attendez. Les trucs. Piller le coffre du trésor public, détruire le ravitaillement de guerre et tuer les soldats atteignants. Je dois le faire où ça? Désolé, hein, je prends un petit peu mon temps, mais. Ça, c'est la quête suivante. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. À mon avis, ça va se passer en mer, il me semble, ça, elle m'a dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt parler à Myrine. Hein, désolé. Je prends mon temps. J'ai pas envie de trop me presser non plus. Mais on va aller faire celle-ci d'abord. Allez, go. Pas entendu ce que je t'ai dit. Ces tueurs sont les meilleurs. Tu ne dois plus paraître en public. Ils vont te trouver. J'ai parfaitement compris. Mais je dois me montrer. Le propagandiste a bien fait son travail. J'ai besoin d'autres soutiens pour attaquer Paros. J'ai déjà vu trop de gens mourir. Je t'en prie, quitte cet endroit. Aspasia ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Alexios, regarde bien cette assemblée. Je vous ai interrompu. Je vous en prie, reprenez votre discussion. Ça a l'air fascinant. Je venais de dire à ta mère que les meilleurs hommes du culte la cherchaient et que cet endroit est trop exposé. Et j'ai répondu à Aspasia que je devais apparaître en public afin de conserver l'appui des habitants. Tu veux que je m'occupe des hommes du culte ? Pas seulement. Sans preuve, la population ne croira pas à l'implication de Paros. Il faut que tu la trouves. Entendu. Bien. De mon côté, je vais faire en sorte de m'assurer des soutiens. Fais attention, ils sont dangereux. Je sais. Je vais veiller à sa sécurité. T'as intérêt. D'après tes sources, par où dois-je commencer? À mon avis, par les grottes du Mont Zas. Les adeptes du culte sont tellement imbus de leur mystique qu'ils sont assez prévisibles. Ok. Je doute qu'un homme envoyé pour te tuer accepte de révéler pour qui il travaille. Tu as raison. Mieux vaut une preuve matérielle. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Bien sûr. Je serai ravi de vous aider. Je vous retrouverai plus tard. Peu importe l'origine de cette information. Allez, go. La synchronisation, Guillaume. On va quand même se synchroniser ici, hein, quand même, on sait jamais. Oh, c'est de l'autre côté. On va d'abord se synchroniser, les gars. Après, on ira. On ira directement. Synchronisation, elle est ici. Bah, de toute façon, c'est carrément quasiment au même endroit où est-ce qu'on doit aller. Donc, c'est parfait. Allez, go. On va aller là-bas. Descendre par là. Allez, go.
Allez, go. On va laisser synchroniser. Et après, on ira directement à notre quête. On contourne par là. On a la synchronisation, c'est tout en haut. Ouais, c'est tout en haut, là, je vois. Bon, on va s'arrêter là. D'une grotte. Ils sont là-dedans. Ok, mais là pour l'instant je vais me synchroniser d'abord. Après on ira à la grotte. On sait jamais si on doit revenir dans cette partie. Enfin dans cette zone. Ok, oula. Ok, elle est carrément là-bas, la grotte, ok. On va descendre tout doucement. Ok. Attendez, avant de voir le truc, on va vérifier qu'on est bien dans le même niveau que la quête. Parfait, niveau 23, c'est bon. Caché. Ah, ça j'imagine. Voyons voir ce qui s'est passé ici. Ah, ok. Doucement, doucement, descend. Ouais, doucement. Ah, ouais, c'est vrai qu'on peut pas synchroniser ici. Enfin, on peut pas marquer des. Avec le l'aigle. Ah, putain, il y a un garde là-bas. Pas de garde en face. On va aller par le fil ici. Voilà. On va descendre par là. Il est de dos lui? Ouais, c'est vrai. Ouais, on va attaquer celui-là. C'est bon. Nickel. Bah, il n'y en avait pas un ici? What? Il est parti où? Oh putain, merde. Personne, personne. Y'a personne. Putain, j'ai failli me faire griller. Attendez, avant toute chose, désolé, hein, je fais tout le temps le même truc, mais bon, j'ai pas le choix. Je vais voir si j'ai assez de flèches.
Ouais, c'est bon. Ok, là c'est bon. 21. Ok. Là, je pense que c'est bon. Là, ça je m'en fous. Bon, c'est bon. Wouhou! Il y en a un autre là. Bon, celui-là il va faire ça. J'espère qu'il va pas me griller. Allez, tiens. Là, c'est bon. C'est parfait qu'il est venu ici. On va essayer d'attaquer celui-là maintenant. Viens. Je joue cache-cache avec lui. Allez, mange. C'est bon. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Normalement, oui. Désolé du bruit, vous entendez, hein? Ok. Ok, 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 ok. Là, c'est bon. À mon avis, les autres, ils sont à l'étage, hein. Soit par là, soit de l'autre côté. Vas-y, te fouiller. Est-ce qu'on peut monter par là, voir ce qu'il y a par là? Ah, à mon avis, ils sont par là. Ouais, un à gauche et un à droite. Allez, go. Toi. Il n'y en a que deux ici, je suis pas sûr qu'il y en a que deux. Attendez. 23 et 23, ok. C'est vrai que je peux pas taguer avec ça. Voilà. J'ai quelque chose ici, moi. Ça va être vite réglé. Ok, maintenant le suivant qui est là-bas. La technique de combat est une insulte au dieu. Viens ici. Allez. Face à face. Viens ici. Raté. Allez, crève. Voilà, c'est bon. Les drachmes. Ok. Portant tout le sceau de Paros. Une lettre. Rédigée en code. Ok. Le trésor, il est là. Nickel. Allez, on se casse d'ici. Mais par contre, je sais pas par où. À mon avis, il faudra faire le chemin inverse. On va faire le chemin inverse. Hein. Go. Est-ce que c'est par là que je suis venu ou pas? Je sais plus. On va aller par là. On dit que Zeus a grandi dans ces grottes. J'en sais rien du tout. Je sais même pas si c'est là en fait qu'il faut aller.
Mais qu'est-ce qui... Mais où il est parti, là? C'est quoi, ce truc? Saute! Mais c'est quoi, ce bordel? What the fuck? Oh, putain. What the fuck? C'est une blague ou quoi, là? Ok, d'accord. Bon, vous savez quoi? Fuck you, quoi? C'est quoi votre bordel, là? C'est la première fois que ça m'arrive dans Assassin's Creed Odyssey, alors là... Allez... Putain! Alors... Je sais même plus si c'était là. Ouais, je pense que c'est là. C'est n'importe quoi, là. Ah là, putain, j'ai jamais vu un bug aussi pareil. Putain. Ah, ça m'a niqué le délire, là. Ok, merci. Est-ce que c'était... On va des ennuis si on me voit ici. Alors, on va repartir d'où l'on vient, cette fois-ci, et pour de bon. Parce que là, si on repart de l'autre côté, on va encore tomber dans la merde, là. Alors, désolé ce contretemps, hein, c'est lui qui a tout niqué. Alors, nous, on est venu par là, il me semble. On va pas retourner de là où on était. Voilà, c'est là. Hop, enfin. Ok, allez, on remonte. Tu veux bien monter, s'il te plaît? Merci. Cheval là, parce que là ça fait loin. Allez hop. Allez. Eh, commence pas à bugger ici quand même. Oh, n'abuse pas, hein. Il faut redescendre. Hop là. Ah non, mais ça je sais, mais ça c'est après, c'est niveau 24, je vais pas le faire maintenant. Ça c'est mort. Opa, opa. Par ici. Oh là là. Allez, on part là. Oh putain, le mercenaire. Non, non, tu m'as pas vu. Voilà, on y arrive. Hop là.
C'est pourquoi le commandant a été aussi. Hop là. Eh bien. Les hommes du culte ont été payés en drachmes de Paros. Eh bien, je ne pouvais rêver de meilleures preuves. La situation est claire maintenant. Apporte ça à la guilde des marchands. Dis-leur que c'est la preuve promise et qu'ils peuvent garder toutes les pièces. D'accord. Il y avait ça aussi. J'imagine qu'il s'agit de leurs ordres. Je connais. C'est un ancien dialecte. Les adeptes du culte doivent l'utiliser pour communiquer. Tu arrives à le lire ? Cet argent ne vient pas de Silanos. Il vient de quelqu'un de Sparte. C'est impossible. Je peux te le traduire, mais ces ordres viennent d'un roi spartiate. L'aristocratie spartiate s'est toujours opposée au culte. Le culte ressemble à l'eau. Il se glisse dans la moindre faille. Sparte s'est toujours opposée à la corruption. Comment peux-tu dire ça après ce que t'as fait endurer Sparte? C'est elle qui a divisé notre famille, qui a accueilli le culte à bras ouverts. Sparte n'est pas aussi monolithique. Je resterai spartiate. Et toi aussi. Oh, vraiment? J'ai des devoirs ici. Il faut contrer Paros. Mais ensuite, oui, je rentrerai. Ok. Armure, d'accord. Désolé. Alors, l'indice sur le membre du culte, c'est qui? Tac, tac, tac. Ah, il y en a un là. Pour l'instant, ça ne va pas. Il y en a un là. Ah ah, c'est qui? Nous détruirons vos statues! Silanos de Paros. Nous brûlerons vos temples s'il le faut, pour éliminer les immondes rongeurs que vous êtes! Ok, bah on va le faire! Il est du niveau 22, donc ça devait être bon. Alors, où est-ce qu'il est ce mec-là? On va prendre ce mec-là. Et on va l'achever. Ah, emplacement actuellement inconnu. Bon. En longtemps chercher les origines de l'unité, la QT s'est débarrassée du régent, l'initiative de l'association, placée sur la NAS. Avant de l'exception, ça s'est présenté comme un poème arcathénien. Il a été entamé les préparatifs des enjeux pendant la nuit. Ok. Bon, bah pour l'instant, on n'a pas d'indice sur lui. Beaucoup de choses. Donc on peut pas le faire pour l'instant, voilà. Mais on verra, on va voir ce qu'on peut faire. Comme autre quête. Alors, la quête suivante. Niveau 23, niveau 24. Bon, on va faire celui-ci. Avec ce sac affaibli, la puissance nationale de Paros effraie. Chose en eux, la population examine. Réduire les moyens de Paros, piller le coffre du trésor public, détruire le ravitaillement de guerre et tuer les soldats athéniens. D'accord, je veux bien le faire. Mais c'est où? Les mots de réduire les moyens de Paros. Alors, comment ça s'appelle cette quête déjà? Je crois que ça s'appelle Déclin, non? Ouais, Déclin. Alors,
Excusez-moi, je prends un petit peu mon temps, je suis en train de regarder mon guide, parce que j'ai le guide du jeu évidemment. Et je cherche où est-ce qu'il est, ce mec-là. Pour l'instant, je vois pas détruire la flotte de Paros. Bon, pour l'instant, je vois pas. Attends, je vois pas, on va pas passer 3 heures. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut. Ouais, ça va être un peu compliqué. Tac, tac, tac. Détruire vers l'étalon de Paros, je vais bien le faire, mais où? Vous savez quoi, j'ai envie d'attaquer celle-ci. Le navire rébellion a été envoyé en mission diplomate. Il est un mouvement. Attendez. Voilà, c'est quoi ça? Vous savez quoi, j'ai envie d'attaquer peut-être la quête suivante. Mais j'ai envie d'essayer quand même. Le niveau 23, enfin le niveau 24 qui est un niveau supérieur. On va voir de quoi ça a l'air. J'ai bien envie d'attaquer celui-ci. Même si je sais que je vais galérer. Oh, merci, elle est partie là-bas, c'est parfait. Celui-ci. Allez, go. Et à naviguer ! Bien, te revoilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Naxos ? Tu as trouvé ta mère ? Je l'ai trouvée, Barnabas. Magnifique ! Nous allons enfin pouvoir nous reposer. Non. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous savons que le cube du cosmos permet tout ce qu'il touche. Désormais, il tient Sparte. Il forcera le monde grec à s'entretuer jusqu'au retour des âges sombres. Il faut que je m'arrête. Alors c'est à Sparte que nous irons. Merci de me soutenir. Préparez le navire pour amarrage. Je sens qu'il y a des ennemis ici.
Tu es le seul survivant ? Ils ont fait des prisonniers. Mais j'étais trop gravement blessé pour qu'on m'emmène à Paros. Qu'est-ce qui s'est passé ? On venait discuter de paix avec Paros. Ils nous ont attaqués. Et Aeneas, ton capitaine ? Ils l'ont pris. Si Paros le tient, où est-il ? En riant. Ils ont dit qu'ils l'attacheraient en haut de la carrière pour que le soleil le ramollisse. Pourquoi l'ont-ils gardé en vie ? Comme monnaie d'échange. Ils savent que Phoenix tient à lui. Je vais le ramener. Et venge-nous. Ok. D'accord, on va essayer. Hein. On va essayer. Allez, go. Il est certainement retenu par l'enceinte, d'accord. Allez, go. Je me lance dans une quête qui est un niveau supérieur à moi. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer pour une fois. Ah, brûler les ravitaillements de guerre. Ça doit être par là, je pense. Je dois me montrer plus prudent par ici. Ouais, ça j'imagine bien. Alors, c'est où ? Voilà Aeneas. Il est en piteux état. Ok. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Oh là, putain. Oh là 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 là. Oh là là. Oh putain de merde. Oh le bordel. Bon, je suis dans la merde. Quoique ça va là. Ils sont pas trop compliqués pour l'instant. Descends. Merci. Attaquer celui-là. Oh putain! Hey, reste où tu es. Parfait. Parfait. Pour l'instant, c'est bon. Du niveau 24, mais ils ont pas l'air très compliqués pour l'instant. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Ça c'est bon. Putain, il a tellement, ça fait flipper. Beau marbre blanc de Paros. Faut-il y ajouter du rouge spartiate ? Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a un autre garde qui arrive par là ? Non, on va essayer de monter en haut. Putain, il y en a un juste là, je l'ai pas vu. Tourne-toi de l'autre côté. Oh, ça va être dur là. Attendez, comment on va l'attaquer celui-là? Bien. Viens. Ah, t'es chiant. Hein. Bah, viens.
hey, oh, si tu viens pas, je t'attaquais, mon gars. Oh, il m'a cassé la tête. Je l'attaque. Allez, vite. Oh, putain, c'est un capitaine, merde. Allez, mange. Avec tout ce boucan, j'ai pas alerté quelqu'un. Ok, tant mieux. Ouf. Alors j'ai vu qu'il y avait une suivie de quête, j'ai pas fait attention, c'était quoi? Mais attendez. On va voir ce que c'est. Non, c'est pas ça. J'ai vu un truc, mais je sais pas c'était quoi. J'ai vu un suivi de quête, mais j'ai pas fait attention à ce que c'était. Bon, tant pis. Alors, continuons. Oh là 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 là. On va essayer d'aller par là. Ah! Je dois être en dessous. Non, 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 merde, merde, merde. Ah! Par les dieux, le feu! Désolé, on m'en casse les couilles là, c'est un truc de fou ça. Bon, attendez, on va faire ça comme ça, on va voir ce qui. Attendez, il n'y a pas. Bon, c'est bon, c'est bon. Là, on est parti par là. On va prendre tout ça comme ça, on est assez de flèches. Et là. What? Attends, il y a quoi, il y a quoi? Ah, c'est bon. On va prendre ça. Ah, il y a un trésor par là. On va brûler ça, même si ça sert à rien. Parce qu'on va pas le faire en entier. Hein. Ce sont les dieux. Il n'est pas facile à tuer, toi. Je le sais, je savais qu'elle ne m'abandonnerait pas. Vite, partons d'ici. Bah viens. Bah viens, on va par là. Il est où? C'est bon, il me suit. Tu me suis, hein? Tu me suis, c'est bon. Allez, viens! D'ici. C'est bon, on est sorti là. Hein. What the fuck? Tu peux descendre ou pas? Descends! Non, il peut pas descendre. Allez, monte! On nous envoie des flèches! Ça dégage. Qui nous envoie des flèches? Oh, c'est lui qui est là-bas. Viens, 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 viens par ici, viens. Il est sérieux, lui?
C'est bon, on est sorti de la clairière là, tu peux venir, non? Enfin, pas trop tôt. La belle. Merci, Mystios. J'espère que Phoenix t'a promis une belle somme. Tu lui en parleras pour moi. La situation est mauvaise à Paros. Plus que d'habitude. Tout y est étrange. Qu'as-tu vu là-bas? Beaucoup de monde. Et il n'y avait pas que des gens de Paros. L'un d'eux portait un masque. Je n'avais jamais vu ça. Un masque? J'ignore qui ça pouvait être. Il est temps de quitter cette île oubliée des dieux. Je sais comment rentrer. Informe Phoenix de ce que tu as vu. Je le ferai dès mon retour. Ok. Parler à Myrine, ok. Bah Myrine, il faut retourner de l'autre côté, hein, y a pas le choix. Alors. Myrine, elle est là. Allez, on va retourner au bateau. Yep. Allez, go. Non, qu'est-ce que tu fous là? Rentre là-dedans. Chacun son poste! Capitaine! Te revoilà! Ces eaux ne sont pas sûres, capitaine. C'était pas si mal que ça. On a attaqué à un niveau supérieur. Ouais, putain, il y a un mercenaire là. Allez, go.
peux parler. Des navires de Paros entourent le port. Maudit soit Silanos et cette saleté de culte. Quand cesseront-ils leurs ingérences? Oh. Dis-leur que j'arrive. Eh ben voilà. J'ai refusé de verser un tribut à Athènes. Paros était là. Paros tire profit de la situation. On ne peut plus espérer frapper les premiers. Je peux faire venir mon navire et nettoyer le port. Quoi ? Seul face à tout un blocus ? Mais oui. Tu verras. Je plains déjà les marins de Paros. Sois prudent. Et reviens-moi, mon enfant. T'inquiète. Ils sont trois. Ah ouais, quand même. Ok. Alors, c'est parti pour la bataille en mer. Après cette quête, on s'arrêtera. Hein. On va pas faire un gameplay beaucoup trop long non plus. Mais après cette quête-là, on s'arrête. Évidemment, on continue après. Hein. Ils sont de quel niveau? Attendez, je n'ai même pas fait attention. Niveau 23, bon, ça va. C'est le même niveau que moi. Allez, go, on y va. Paré à partir! Ravi de te voir! Plus vite! On se dirige vers des eaux dangereuses. Maintenant! Recharger! Lancez notre volée! Un volée enflammée! Et lancez vos. Ils sont plus en haut. Les archers en avant! Attention! Entrez! Attaquez! Préparez vos armes! Allez, attention, capitaine! Il y a des archers! Ok. Des flèches arrivent sur nous! Attaquez! Maintenant! Archers! Les archers devant. Allez. Lancez une volée. Encore une. L'ennemi est prêt à tirer sur nous. Ils sont immobilisés. Préparez vos flèches. C'est fait. Allez. À l'allure maximale. Il faut laisser les rameurs se reposer. Parez à tirer. Tirez. Ils essaient de nous éprôner. Ne gaspillez pas vos flèches. L'ennemi lance ses flèches. On se monte la vitesse. Prêt à tirer dessus. Voilà, parfait. On a réussi. Marchez. Tenez-vous prêts. Elle a encore une. Encore une. Marchez! Prêt! À vous! On nous tire de queue! J'ai besoin d'archer! Tirez sur eux! Bah, ils sont puissants là-bas. Ils vont tirer de l'instant! Malaga! Ils arrivent pas sur nous! On va se barrer, on va se barrer. Montez l'allure! On va se barrer, on va attendre. L'ennemi va tirer. Ils viennent droit sur nous. T'inquiète, t'inquiète, on va s'éloigner d'abord. On a repéré des débris à la surface. On a repris un petit peu. On a un peu repris. Il n'y a plus à s'inquiéter. Non, non, si, on va s'inquiéter. Attends, on reprend petit à petit. En sécurité. Voilà. Là, encore un petit chouïa. Et là, on va foncer dessus. La vitesse. Allez, viens. Préparez-vous au combat.
Allez, mange. Il y a deux. Il est préparer au choc ou s'écarter. La zone là, en surveillance là. Voilà, c'est là qu'il faut viser. Voilà, on l'a eu. Allez, encore un peu. Lâchez les flèches ! Attendez, il sera à portée. Tu sais quoi, on va foncer dessus là. En avant ! Ces eaux sont dangereuses. T'inquiète. Et puis, il t'arrête à tirer ! Allez, mange ! Rejoignez les larges. De vitesse. On ne peut pas aller plus vite. Voilà. En position. Attention, les flèches. Voilà. Tu es sûr que c'est une bonne idée, capitaine? Plus vite. Allez, c'est parti, on retourne. Allez, plus vite! Bref, il puisse ramer plus vite! Vitesse de voile! Allez, on va aller ici. À voir! Préparez l'amarrage! Et voilà. Le port est libre. Nous devons agir avant qu'ils envoient des renforts. Nous sommes presque prêts. Timo, on charge les navires. Ils seront prêts à ton signal. Alexios, un mot. Quelque chose te tracasse? En dehors des attaques contre cette île et des agissements du culte, non. Mais j'ai à te parler en privé. Ok. Je t'écoute, vas-y. Il faut agir contre le culte. Notre retour en Laconia promet d'être dangereux. J'ai l'habitude. Et toi aussi. Je sais à qui faire confiance ici. Je croyais pouvoir en dire autant pour Sparte, mais cette nouvelle au coup du roi... Aspasia a découvert qui des deux rois était allié au culte. Mieux vaut supposer que les deux le sont. Nous devons chasser la corruption de Sparte, quel qu'en soit le prix. Au moins, nous pouvons les affronter ensemble. Oui. Pour tout ce que ces chiens ont tenté de nous prendre. Et ta sœur, nous la retrouverons. Mais oui. Reviens me voir quand tu seras prêt. Ok. Prêt à prendre la mer? Je suis prêt. Alors tu as toute ma confiance. Avec ton bouclier. Ou sur lui. Et maintenant, nous pouvons aller frapper le cul. Bon, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouvera évidemment pour la suite de notre aventure la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye.